Comme je vous avais dit, j'ai passé 7 ans en Pays de Galles. C'était à la campagne. C'était... j'ai beaucoup appris. C'était un endroit assez agriculturel. J'ai beaucoup aimé les gens. Et de temps en temps, il y avait des amis qui descendaient de Londres, Manchester, tout ça, qui regardaient autour d'eux. Ils se disaient, oh putain, les gens sont des ploucs ici. Et ça m'a vraiment ennuyé, ça m'a vraiment fâché, quoi. Et je me suis dit, ils ne sont pas les ploucs. Ils ont des autres priorités que vous. Mais c'est eux qui vont vous fournir avec de quoi manger. C'est grâce à eux qu'on va survivre. Et de plus en plus. C'est la seule chose que je trouve, moi je voyais des légumes tout fraîches partir pour Londres et revenir 2 semaines plus tard à 3 fois le prix. Je voyais pas l'intérêt, il vaut mieux le manger sur place quoi. Je suis très pour décentralisation, le truc régional, le troc et tout ça quoi. Mais j'étais tellement fâché avec ces gens, j'ai décidé d'écrire un hommage à ces gens. Ce que eux ils appelaient les paysans. Ils parlaient des paysans comme si c'était péjoratif, ouais. Ouais. Je trouve ça vraiment méchant. Et en effet, c'est des gens très nobles. Et ils m'ont appris beaucoup de leçons. Alors j'ai écrit cette chanson, Countryman, qui est en effet paysan. Voilà.